parti en chaudronnerie. Donc je passe mon bac cette année et je compte bien continuer ensuite en BTS pour essayer de travailler en bureau d'études, ça me paraît peut-être un peu plus intéressant pour moi. Et voilà. Donc j'ai adhéré au parti en 2012 suite à la campagne du Front de Gauche, que je trouvais rassembleuse. J'ai voulu donner un coup de main, j'ai vu qu'il y avait une réunion publique, donc j'y suis allé, j'ai rencontré les camarades qui m'ont proposé de participer à la campagne. Ensuite, étant donné que les idées qui étaient celles de ma section me correspondaient vraiment, j'ai adhéré au parti et ensuite, petit à petit, j'ai rencontré toutes les instances du parti et je me suis conforté dans ce choix qui est celui de l'humain d'abord, celui de la lutte contre la finance, de la lutte contre un système capitaliste qui écrase la population et notamment la jeunesse qui souffre du chômage, du manque de soins, notamment aussi les personnes âgées qui ont des retraites misérables et qui doivent se contenter de ça. Et encore pire, qui doivent se contenter de moins parce que le système ne se contente pas non plus du point où il en est et veut toujours plus et donc toujours moins. Ce que j'attends de ce congrès, c'est de prendre des décisions qui aillent toujours dans le même sens, toujours plus loin, qu'il y ait des choses concrètes qui se fassent pour les citoyens, qui soient vraiment porteurs d'une politique autre, qui soient porteurs de la voix des citoyens justement, qui soient écologistes, qui soient vraiment socialistes, contrairement au gouvernement qui déçoit tout le monde, qui déçoit même ceux qui n'attendaient rien d'eux, et qui soient vraiment ancrés dans les intérêts des citoyens.